C'est bon, on est à l'antenne. Oui, bonjour Valérie. Donc voilà, j'arrive devant chez Miss Shine. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec elle ce matin. Suivez-nous. Merci, ça c'est bien. J'entre chez Michel. Oh là là, je sais pas ce qui se passe ici. Apparemment, elle n'a pas l'air d'être prête. Je vais. Il y a du bruit dans la salle de bain. Mais Shine ? Ah ! Mais ça va pas ! Mais Michel, mais que se passe-t-il ? Mais vous avez raté l'interview ? J'ai pas raté l'interview. J'ai réalisé que j'étais précieuse. Non mais allô, c'est une blague. Mais précieuse, mais vous voulez dire quoi au juste? Précieuse du genre, j'ai de la valeur, je compte pour quelqu'un, je suis une merveilleuse créature, précieuse quoi. Parfaite en fait. Bah en fait du coup bah c'est génial. C'est quoi le problème exactement? Génial! Non mais là, à 5h43, tu m'as vu? En pyjama, avec mes chaussettes de yak, sans mes lentilles. J'avais pas mon t-shirt super S, j'ai pas mes baskets, j'ai même pas une effluve de parfum Chanel. Moi, précieuse. Non mais sérieux, entre vous et moi, en ce moment, rien ne va comme moi je veux. Et avec les autres, je sais pas, je les sens pas là, je sens pas leur regard. Alors tu comprends là, j'ai beau m'appeler Miss Shine, en ce moment j'ai plutôt l'impression d'être Miss Terre. Miss Shine. Bah Miss Shine, du coup on fait quoi? Mais j'ai pas. On arrête? C'est dommage. Bah ouais. Faut bien que je sorte de cette salle de bain. Bon allez. C'est pas fini. C'est peut-être vrai au fond tout ça. Je suis peut-être juste d'y croire. Bon allez, laisse-moi un instant. Je me prépare. Alors Miss Shine, vous sortez? Ouais, je crois que j'ai compris. Pas besoin d'apparat pour apparaître. Ma valeur ne dépend pas de ce que l'on voit de moi, mais de ce que je crois. Et l'important, c'est d'être bien dans ses baskets.